Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de boxe, la Beautiful Box qui est devenue Gloria et la Glossy Box. Mais c'est ceux du mois de juin parce que j'ai pas encore reçu ceux du mois de juillet. Donc, on va commencer avec la Glossy. Donc, ça se compose. On reçoit tous les mois une boîte comme ça, c'est toujours la même. Et dedans, vous avez le petit papier avec toutes les infos parce que des fois, c'est pas marqué en français sur les emballages. C'est fait dans un petit papier de soie, comme ça, avec un petit nœud. Bon, j'ai enlevé le nœud. Hop. Alors, dedans, on a un scrub lavant purifiant au sel marin. Soit un détox et apaisant, c'est pour les cheveux. C'est un gros pot, c'est un 250 ml, donc c'est un full size. Et dans la glossy, normalement, il n'y a que des full size, donc bah, c'est un gros pot. J'ai pas encore testé, faudra que je teste. Je vous dirai ce que ça donne. Et en même temps, la box coûte 15,50 €. Ouais, c'est ça, 15,50 €. Et vous pouvez acheter sur le site ce que vous voulez. Par exemple, là, le scrub lavant pour les cheveux, il a 39 €. Donc, vaut mieux prendre la box. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est au sel marin. Sel de Guérande. Sel naturel de Guérande. C'est un exfoliant. Et j'ai pas encore testé non plus. Bah, ceux que je viens de recevoir, j'ai pas encore testé. C'est pareil, je vous montrerai parce qu'il faut que je trie toutes mes boîtes Gloria Beautiful Box. Et avant, j'étais abonnée, c'était, je sais plus le nom, mais c'était que des miniatures, donc je l'ai fait arrêter parce que c'était pas très intéressant. Ensuite, c'est un mascara waterproof. Donc, bon, tout est dans des boîtes, hein. J'ai pas encore ouvert. Regardez. C'est la marque Plume et Poppy. Je connais pas. Après la brosse, c'est une grosse brosse. Comme ça, un peu curvée. Et pareil, je vous ai pas dit le prix de l'exfoliant, il est de 5,30 € et le mascara 23,10 €. Enfin, après, je me demande s'il gonfle pas un peu les prix quand même. Ensuite, on a un pinceau. C'est un pinceau. Un pinceau multifonction. C'est marqué. Ce pinceau multifonction. Le pinceau extompeur. C'est un pinceau extompeur. Donc il y a deux côtés, il y a un côté comme ça, il est assez rêche, et puis le côté estompeur est bien doux lui par contre, ça reste, c'est assez gros, c'est le numéro 113, c'est de la marque Nire, et le pinceau coûterait 21,95 €, ce qui me paraît un peu cher aussi. Ensuite, je vais enlever ça parce que je vais pas garder les boîtes après. C'est pour ça qu'il faut que je trie parce que pour l'instant j'ai toutes les boîtes dans ma chambre. Et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais trier puis enlever ce que je vais pas garder et mettre de côté. Et puis en dernier, bon, c'était dans un petit emballage comme ceci. Je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. La marque, oui. Ah non, The Beauty Crop. 14 €, a priori, c'est une huile pour les lèvres couleur changeante. Celui-là, je l'ai testé et ouais, quand on le met sur, il est transparent. Hop. Et quand on le met sur les lèvres, il devient rose. Mais un rose vraiment léger, donc ça va. Donc, bah voilà pour cette box-ci. Je vais juste garder ça. Hop, ça, je vais poser là. Je
je mettrai plus tard ailleurs. Pour l'instant. Hop. Et puis après, bah là, la Gloria. En fait, la Gloria, je pense qu'elle change. La boîte change tous les mois, c'est jamais la même. C'est un peu plus simple. Mais je l'ai fait arrêter là parce que je trouve que les produits sont souvent les mêmes et c'est pas. Et elle est un peu plus chère, elle est à 16,50. Sauf au mois de. Enfin, là, au mois de juillet, je viens de payer 33 euros parce qu'on reçoit celle de juillet et août. Vu qu'a priori, en août, c'est en congé. C'est pareil, on reçoit le petit formulaire avec les vrais prix, soi-disant. Parce qu'il y a des choses qui me semblent assez chères quand même. Donc, bah là, on a. Qu'est-ce que c'est? Des ampoules. Comme ceci. Et ça dit. L'extrait de poivre au pouvoir antioxydant et booster d'éclat. Pour les peaux ternes en manque d'éclat ou sujettes aux taches. Une cure de 7 jours, soit 7 jours d'ampoule. Monodose. Contenant un sérum à appliquer le matin sur une peau nettoyée avant le make-up. Et a priori, ça vaudrait 66,95€. J'y crois moyen, mais bon. Ensuite, je ne l'ai pas ouvert parce que je sais pas si. Je préfère les laisser dans la boîte pour l'instant. Ensuite, il y a des patchs comme ceci pour les yeux. J'en ai deux. Il y en a deux. Hop. C'est un set de patchs yeux anti-âge et énergisant. Valeur 3€ le lot. Pour les yeux fatigués, les cernes après une nuit blanche ou les cernes tout court. Après avoir démaquillé et nettoyé votre peau, laissez agir vos patchs 15 à 20 minutes. Et voilà, ça coûterait 3€. Ensuite, on a l'huile pour le visage. Celui-là, c'est pas un full size, je pense. En général, ils écrivent quand c'est des full size. C'est. Attendez, hop. C'est de la marque Mitchell & Peach. C'est une huile de noisette du domaine agricole de Mitchell. Pour toutes les peaux en manque de fermeté, d'hydratation et ou d'éclat. A priori, ça vaudrait 46€. Ensuite, ça doit être derrière, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un blush en pommette. C'est marqué blush et lèvres. Après, on peut le mettre sur les deux. Alors, je ne sais pas si vous verrez parce que c'est en relief. C'est marqué rouge française. Il serait au prix de 29€ les 3 grammes. Donc, pareil, ça fait un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. C'est marqué pour celles qui veulent un effet bonne mine sur les pommettes tout en rehaussant le teint naturel de leurs lèvres. Ouais. Et c'est marqué 2 en 1. On peut l'appliquer au doigt ou au pinceau sur les lèvres et le bombé des joues pour une couvrance modulable à souhait. Donc voilà, après 29€ 3 grammes, je trouve que ça fait un peu cher. Et le dernier, c'est. Ben, le dernier, je ne sais pas, ça devait être un cadeau parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. C'est une base perfectrice de teint. Corrige et unifie. Extrait de litchi. La marque IASO Paris. Hop. Ça par contre c'est pas mal. Mais par contre, il n'y a pas le prix, il n'y a rien. Donc je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà. Pour ces boîtes du mois de juin. J'attends celle de juillet. De juillet pour la Gloria et de juillet août pour la. Non. De juillet pour la Glossy et de juillet et août pour la Gloria. Donc voilà. Et puis je referai une vidéo où je trierai tous mes boîtes que j'ai reçues depuis un bon moment. Parce que je crois que ça fait 1 an et demi que je suis abonnée à plusieurs. J'en compte déjà 1, 2, 3, 4, 5,
que 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'en compte déjà 25 ici, mais il y en a, je suis sûre que j'en ai d'autres ailleurs. Donc c'est pour tous les vider et puis tout ranger parce que là, faut que je range tout parce que à côté de moi, en fait, c'est tout mon maquillage qui est posé par terre et j'avais tout abandonné, donc j'avais tout mis dans des bacs. Donc maintenant, faut que je range tout et voir ce qui est encore bon, ce qui est encore fermé, ce que je vais utiliser, ce que je vais pas utiliser. Donc je commence à mettre dans une boîte ce que j'utilise pas pour faire gagner quand il y aura plus d'abonnés parce que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand il y aura plus d'abonnés, j'ai commencé à faire une boîte que des choses que j'ai jamais utilisées, ni même switchées ou quoi que ce soit. Donc j'ai déjà une palette, des rouges à lèvres, des crayons à yeux. Et puis des petites bricoles que j'ai mis dedans en attendant, voilà. Et puis là, j'attends mon colis Eva Beauty Access que je pense avoir hier, mais je ne l'ai pas eu. Pour vous faire une vidéo make-up, je pense l'avoir demain a priori, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Elle est montée, elle est redescendue à Montpellier, elle est remontée à Lyon. Elle a fait n'importe quoi, donc je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Donc voilà. Et puis après j'aurai une grosse commande Chine à vous faire voir également, mais pour l'instant j'étais censée l'avoir hier et enfin une partie hier parce qu'ils me l'ont envoyé en plusieurs colis. On a encore 3 ou 4 qui sont bloqués en Chine et un qui devait arriver hier. Mais je ne l'ai toujours pas eu non plus, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bien à bientôt.